Connaissez-vous la différence entre recharge AC et recharge DC ? Les véhicules électriques ont accès à deux types de bornes de recharge, les bornes à courant alternatif AC et les bornes à courant continu DC. Il faut savoir que le courant électrique provenant du réseau public est un courant alternatif. Or, une batterie ne peut se charger qu'en courant continu. C'est pourquoi le courant doit être converti soit dans le véhicule, grâce à son chargeur embarqué, soit directement par la borne. Quelle différence entre ces deux types de recharge ? Si on branche une Peugeot i208 à la prise T2 d'une borne 22 kW AC, elle effectue sa recharge optimale en 4h17. Son chargeur embarqué de 7 kW étant de puissance inférieure à celle de la borne, il limitera la vitesse de recharge. Pour réduire ce temps, il existe des bornes DC. Si on branche cette même Peugeot sur une borne 24 kW DC, la recharge s'effectue en pleine puissance en seulement 1h15. La borne convertit ici elle-même le courant et alimente directement la batterie en courant continu. Ça fonctionne quel que soit le véhicule via une prise combo CCS ou CHAdeMO. Alors, quel type de recharge choisir ? On privilégie la recharge AC, dite normale pour les stationnements longs, et la recharge DC, dite rapide, là où les véhicules stationnent moins de 2 heures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web.